manifestations des sans-travail se multiplient. Ça bouge, mais ça ne change pas. On a vraiment l'impression qu'on est tous dans le même sac. Maintenant, le temps est compté. On a déjà vu ça, en pleine paix. Cette crise financière marque la fin d'un monde. À New York, une spéculation effrénée se déchaîne sur les valeurs. La crise s'abat sur les États-Unis, puis sur le monde. La crise écologique est là. La menace climatique est là. La nature est une ressource qu'on croyait éternellement abondante. Ce n'est pas vrai. Les fleuves, les eaux, les montagnes, la terre redeviendra verte. C'est un très grand honneur pour moi d'être ici parmi vous dans le monde prestigieux des idées. La question c'est que faudrait-il pour que l'humanité modifie ses habitudes? Créer, c'est résister. Résister, c'est créer. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Yes, we can. This is just another lost cause, Mr. Payne. I have a dream. C'est l'amour, la force qui nous rend pleinement humains. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette première édition des Rencontres Capitales. On est donc à Marseille, on est en public. Je vous rappelle qu'on est aussi diffusé sur France 5 curiosphère.tv et que ce débat sera rediffusé sur LCM, la chaîne Marseille, et le site internet de la Provence. Alors pour cette première édition des Rencontres Capitales, nous allons essayer avec vous de construire le monde de demain en essayant de marier deux mots, le mot progrès et le mot humanisme. Pour ça, on a rassemblé des questions qui nous ont été transmises par des étudiants, par de jeunes chercheurs. On ajoutera évidemment vos questions, les questions de la salle, pour que, eh bien, on puisse avoir une vision, peut-être pas exhaustive, mais en tout cas la plus large possible du sujet de ce soir. Je vous propose d'accueillir les invités de la soirée. Alors, peut-être venez tous en même temps, dans l'ordre. Jean Dartuis, directeur au FSI, le Fonds stratégique d'investissement de la Caisse des dépôts, un fonds qui gère environ 20 milliards d'euros et qui investit dans beaucoup de sociétés, notamment certaines qu'on connaît, Dailymotion, Bull ou encore Gemalto. On reviendra évidemment sur ce détail. Nicolas Bétou, Les Échos, Hugues Lebray, vous êtes consultant. Auteur de la semaine où Kerviel a failli faire sauter la finance mondiale. On vous connaît aussi comme ancien patron de Boursorama ou ancien directeur de la communication de la Société Générale. Et puis à ma gauche, Jean Perlevade, banquier, associé gérant de la banque d'affaires Leonardo. On vous connaît aussi au Crédit Lyonnais entre 1993 et 2003. Et puis vous venez de publier un livre, France État critique. On aura l'occasion aussi d'y revenir. Notre débat, il s'intitule aujourd'hui « Comment moraliser la finance ?» À la suite de la crise des subprimes, c'était en 2007, après les affaires Madoff, après les affaires Kerviel, beaucoup de scandales, de parachutes dorés, l'opinion a commencé à reprocher aux banques, au système financier, peut-être au système en général, leur manque de moralité. Les dirigeants politiques ont certains largement surfé sur ces scandales en multipliant les promesses de régulation du capitalisme, certains allant même plus loin en remettant en cause l'ensemble du système financier. Il y a un mot qui est très à la mode en ce moment, qui est le mot démondialisation. On y reviendra évidemment. Mais c'est vrai que 3 ans après le début de cette crise, en 2007, pour certains, rien n'a réellement changé. Les banques et la spéculation, ils ont repris leur ancien mode de fonctionnement. Et puis depuis juillet, depuis quelques mois, on voit que les marchés financiers continuent de dévisser. Un nouvel effondrement des bourses qui sème évidemment la panique sur l'ensemble de la sphère financière. Et c'est vrai que dans l'opinion publique, on pense avoir les signes d'une... On demande un petit peu les signes d'une régulation du système avec, d'ailleurs on le voit encore aujourd'hui, en ce 15 octobre, l'émergence des mouvements des indignés. Aujourd'hui, dans 950 villes dans le monde, il y avait des rassemblements de personnes qui demandent que ça change. On va donc poser toutes ces questions. Faut-il moraliser la finance? Et si oui, comment? Est-ce que ces termes ne sont pas incompatibles, finance, moralité? Comment organiser peut-être une transition entre un système financier débridé qui semble apporter beaucoup de croissance et une nouvelle organisation financière peut-être moins spéculative? Et justement, est-ce qu'elle créerait moins de croissance, moins de richesse? C'est une des questions qu'on posera. Alors, ces questions, je les rappelle, elles ont été proposées par des étudiants, par des chercheurs. Et je vais commencer par une première question à Hugues Lebray. En quoi, selon vous, peut-on dire que le monde de la finance est immoral?
C'est une bonne question très vaste. D'abord, je suis très heureux d'être là. On m'avait dit que je serais devant 300 étudiants et je m'aperçois qu'à Marseille, on fait des études jusqu'à un âge parfois avancé. Et donc, mais on a dû changer de salle tellement vous étiez nombreux. Donc, c'est une très vaste question à laquelle on pourrait répondre très superficiellement. Vous l'avez dit tout à l'heure, stock option, parachute doré, spéculation, on pourrait dire CAC 40, prêt emprunt de titre, vente à découvert. Et donc, on pourrait aller très vite et puis dire que tout est complètement immoral. En réalité, définir la morale, c'est quelque chose d'un peu plus complexe. Et définir la morale, c'est par rapport à une sorte de corpus de règles qui permettent de vivre ensemble et à partir duquel on peut distinguer ce qui est juste ou ce qui est injuste ou ce qui est bien ou ce qui est mal. Et donc, il faut regarder, à mon avis, dans la morale, ce qui est des intentions, ce qui est de la conformité et puis ce que sont les conséquences. Je vais aller très rapidement. Mais je dirais que dans ces intentions, la finance me paraît morale. Elle finance le développement, elle finance la croissance, elle finance les projets des uns et des autres. Elle permet à chacun de faire des transactions avec des monnaies ou avec des moyens de paiement. Je dirais même que dans les produits dérivés, elle permet de couvrir le change pour les sociétés qui exportent ou qui ont des filiales à l'étranger, ou elle permet de couvrir le pétrole pour des compagnies aériennes. Dans sa conformité, c'est plus compliqué. On a vu avec la crise du subprime que le marché résidentiel américain bas de gamme, en tout cas le marché du crédit immobilier américain, n'était absolument pas régulé. Ça passait par des courtiers qui n'étaient pas régulés comme des banques et qu'on pouvait faire n'importe quoi, prêter à n'importe qui, sans asseoir la capacité de remboursement sur des revenus, mais sur le prix d'une maison dont on sait que le marché est extrêmement volatile. Il y a des trous béants dans la régulation. L'économie est devenue complètement mondiale et on en parlera certainement tout à l'heure. Il y a des progrès gigantesques à faire. Mais il y a encore des trous béants dans chaque pays domestique dans la régulation. Par exemple, le crédit automobile n'est pas régulé aux États-Unis. Vous connaissez la masse de crédit automobile. Alors ça va moins vite et moins loin et c'est moins spéculatif que l'immobilier. Mais ce sont de nombre de cartes, de nombre de crédits sur un nombre de personnes qui est absolument délirant. Et en plus, si ces crédits sont syndiqués, sont saucissonnés et sont retrouvés dans des produits structurés, c'est encore plus compliqué. Et tout ça, très mal régulé. Je ne parle pas de ce qu'on appelle les crédits des défauts de swap ou de l'ensemble des transactions financières hors marché. C'est plus de 50% de ces transactions. Donc, je dirais que dans la conformité, c'est très difficile de dire si c'est moral ou c'est pas moral, puisqu'il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles au niveau mondial. Et puis, dans les conséquences, c'est dramatique, puisque quand une bulle se dégonfle, quand il y a un retournement de cycle, et là, nous sommes bien plus loin qu'un retournement de cycle, nous sommes au bout d'un système, nous sommes au bout d'un modèle, après des années de croissance extrêmement forte. Et donc là, les conséquences, c'est du chômage, c'est de la baisse de la croissance, c'est des niveaux de dette complètement insupportables, c'est des restructurations de dette d'État avec des plans d'une austérité absolument inimaginable, comme ce qu'on peut vivre et ce que vit le peuple grec, mais ce que vivent aussi le peuple anglais ou le peuple irlandais. Donc c'est moins de remboursement de santé, c'est moins de remboursement de sécurité sociale, c'est moins de revenus pour les fonctionnaires, c'est moins de retraites, c'est des coupes drastiques dans les budgets des États. Et donc, on peut dire que les conséquences sont dramatiques et pourraient être complètement immorales. Alors, j'ai dit que j'allais vite, mais je pense qu'on est au bout d'un système. On a eu un nombre d'années de croissance depuis 2001. Et pour moi, beaucoup de choses remontent, bien sûr, à l'endettement des États depuis les années 70, mais aussi à 2001 avec la politique de Tobin, la relance de la consommation américaine. Mais on a créé des masses financières entre 2001 et 2007 absolument considérables. Le monde a cru en moyenne de 5% par an. Ça veut dire qu'il y a des choses positives. On n'a jamais fabriqué autant de classes moyennes, des centaines de millions de personnes qui sont sorties de la misère pour accéder au statut de classe moyenne pendant ces années. Mais en même temps, on a développé des technologies de plus en plus rapides, des transactions de plus en plus rapides, des masses financières et la croissance monétaire absolument considérables, tout en multipliant les déficits des États. Donc on est arrivé à des volumes absolument considérables, des technologies, une mondialisation qui font que il n'y a plus d'avis tellement contradictoires. Tout le monde raisonne dans le même sens, avec les mêmes indicateurs, les mêmes formations, avec une violence de la technologie qui donne l'information en temps réel à tout le monde, et donc une violence de la volatilité, une violence des cycles, une violence des retournements que l'on n'avait jamais connu avant. Les masses sont considérables. Elles se sont déplacées des pays d'Occident vers les pays d'Asie, vers des pays beaucoup moins régulés, vers la Russie, et avec des technologies qui permettent d'aller beaucoup, beaucoup plus vite. Donc tout ça peut être assez inquiétant, et on peut considérer que c'est immoral. Mais j'avais envie de dire qu'on ne pouvait pas dire si c'était moral ou pas moral, puisque, comme je le disais en introduction, ça se définit par rapport à des règles, et que les règles n'existent pas. Elles n'existent pas au plan mondial, elles n'existent même pas au plan européen, elles existent à peine dans chacun des pays domestiques. Et donc, on pourrait plutôt parler d'amoralité de la finance que d'immoralité de la finance. Mais pour être positif, je pense qu'il y a énormément de choses qui sont en train d'être faites,
et que les questions me semblent être posées de manière à peu près rationnelle en ce moment, compte tenu de l'ampleur des dégâts. Voilà. Alors voilà, vous avez brossé une première fois ce thème. Peut-être, on va essayer de faire preuve un petit peu de pédagogie. Nicolas Bétou, vous êtes un fin observateur de l'économie, des marchés financiers depuis de nombreuses années. Est-ce que vous pouvez peut-être commencer par expliquer des mots qu'on entend beaucoup, des mots spéculation, hyper-volatilité des marchés, tout ça, ça fait le système financier? Ça fait le système financier, ça fait partie du système financier. Alors, si vous me demandez des définitions, il faut qu'on rentre un petit peu dans les détails. D'abord, ce sont spéculation et hyper-volatilité, deux termes, deux notions qui sont différentes l'une de l'autre et qui en même temps se nourrissent l'une de l'autre. On va essayer de prendre les choses dans l'ordre. La spéculation est devenue le fait de vouloir, de chercher à maximiser ses profits dans un temps minimum. Le plus de profit possible, dans le moins de temps possible. Quand je dis c'est devenu ça, c'est que le mot spéculer n'est pas à l'origine un mot avec une connotation péjorative telle qu'elle l'a acquis aujourd'hui. Spéculer, c'est donc chercher rapidement du risque et essayer de profiter au maximum en un minimum de temps. C'est une notion qui est absolument inhérente à l'existence des marchés. Les marchés ont toujours créé, généré de la spéculation. La spéculation, c'est-à-dire essayer de créer un risque, de se faire rémunérer pour ce risque et de faire en sorte que la rémunération soit au maximum. Ça, c'est un des principes. Mais même avant les marchés financiers. Bien avant les marchés financiers. Vous êtes ici dans une ville magnifique qui a bâti une partie de sa prospérité sur le commerce et en particulier sur le transport maritime. Le transport maritime a été un des vecteurs de la spéculation. Le transport maritime des matières premières, le blé, les échanges internationaux se sont développés autour du transport maritime. Et évidemment, des spéculations se sont créées avec des armateurs, des gens qui vendaient des matières premières, qui achetaient des cargaisons, qui les revendaient beaucoup plus cher. Ça fait partie de l'économie. La spéculation immobilière n'a pas été inventée avec l'apparition des marchands de biens après la Deuxième Guerre mondiale. La spéculation immobilière est un sujet qui dure depuis des centaines d'années, évidemment. Même chose pour le pétrole. Enfin bon, ce que je veux dire, c'est que la spéculation, c'est-à-dire chercher le risque maximum, si possible dans un minimum de temps, est une notion qui est très ancienne. Elle est tellement ancienne, d'ailleurs, qu'elle est même à la base d'un certain nombre de mécanismes. Si vous réfléchissez un petit peu, l'assurance, qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un qui va spéculer que vous aurez moins d'accidents dans tel ou tel, si vous avez telle ou telle caractéristique, et qui imaginera que vous en aurez davantage si, par exemple, en matière automobile, vous êtes jeune, ayant le permis depuis très peu de temps, et avec un certain nombre de caractéristiques urbains, non urbains, etc. Bon. Et on construit un modèle mathématique extrêmement sophistiqué pour spéculer que si vous êtes quelqu'un de plus de 60 ans vivant dans une ville de province, vous aurez moins d'accidents que si vous êtes un jeune de 18 à 20 ans vivant dans une banlieue parisienne. Voilà. Et à partir de ça, on construit son modèle de manière à avoir le maximum de profit ou en tout cas le moins de pertes possible avec le moins de sinistres possible. Donc c'est une notion qui implique, je le dis encore une fois, la recherche du risque maximum. Et le risque en économie, c'est une des bases de la rémunération. On investit un capital, on le risque, et on essaye d'en retrouver une rémunération. C'est un phénomène ultra courant et ultra demandé. Un des sujets de la spéculation est de savoir quand il faut s'arrêter. Alors prenons un exemple simple. Je ne sais pas si tous ceux qui ne sont plus étudiants et qui ne sont pas encore inactifs ici travaillent probablement pour une partie d'entre eux en entreprise. Et peut-être dans vos entreprises, vous avez des fonds d'épargne, et une possibilité d'investir une partie de vos salaires tous les mois dans des véhicules particuliers, des véhicules, c'est-à-dire des produits financiers. Ben, dans la plupart des cas, les entreprises vous proposent, ou les banques vous proposent, un produit tranquille, un produit dynamique, et puis un produit un peu plus risqué. Ben, le produit un peu plus risqué, il travaille, il va chercher sa rémunération sur de la spéculation. Et donc, si vous avez mis un peu d'argent sur des produits comme ça, vous êtes de façon indirecte, mais vous êtes des spéculateurs.
C'est aussi simple que ça. Donc la spéculation, c'est un phénomène ultra demandé. Et un des sujets qui fait que la spéculation est bonne ou mauvaise, parce qu'après tout, il peut y avoir une bonne spéculation, c'est de savoir quand est-ce qu'on s'arrête. Et c'est une question à laquelle les banquiers ne peuvent jamais répondre, par exemple. Les banquiers, les financiers, ceux qui gèrent l'argent, ne peuvent jamais répondre. Parce qu'on essaie quand de maximiser les profits. Et oui, quand est-ce que... prenons l'exemple d'une crise boursière et d'un retournement. Et même prenons l'exemple de ce qui s'est passé en 2008. Tout le monde voyait la montée des risques. Mais qui peut dire à un de ses clients... Fin 2007, j'arrête, je me retire du marché et je laisse le marché continuer à monter. Tant pis, je vais probablement perdre potentiellement de l'argent. Je suis sûr que j'en perdrai moins que si le marché se retourne tout de suite. C'est une notion qui est très compliquée à faire et qui est un des sujets permanents des financiers. Et c'est un, alors, dernier point sur la spéculation. C'est un phénomène qui a été évidemment très nettement amplifié, voire aggravé par la globalisation des marchés. Puisque les leviers sont de plus en plus puissants. Donc ce phénomène très classique, très ancien, devient plus puissant, donc potentiellement plus dangereux. Il est aggravé à la fois par la puissance des marchés, les masses en jeu, par la sophistication immense des outils de spéculation. On a maintenant des modèles mathématiques, on a des travaux ultra perfectionnés qui permettent de trouver des tout petites marges de spéculation dans lesquelles on met un énorme levier qui permettent d'avoir des gains importants. Et donc, tout ça donne, au fond, toutes les dérives ou une partie des dérives qu'on a connues. Ça, c'est pour la spéculation. On reviendra peut-être sur la question d'hypervolatilité, mais justement sur cette question de spéculation, Jean Dartuy, est-ce que la finance, finalement, est, elle est forcément liée à cette question de spéculation ? D'abord, bonsoir à tous. Je suis moi aussi très heureux d'être là. Moi aussi, je ne vous l'ai pas dit, mais moi aussi. On est trois pour le moment, il en reste encore deux. Mais Jean-Pierre Levade est marseillais, donc s'il n'est pas heureux d'être là... Donc à cette question, moi, je vais essayer de répondre avec des idées simples dans un monde qui est extraordinairement compliqué et complexe. C'est pour ça que j'ai tendance à dire non à cette question précise. La finance est-elle forcément liée à la spéculation ou à l'hypervolatilité ? La réponse est évidemment non. Si on essaye de faire un tout petit peu de définition, puisque par la finance, il y a autant de définitions que de gens qui la pratiquent ou qui l'exercent. Donc moi, ce que j'entends par la finance, et fondamentalement, quel est l'objectif de la finance et de l'investissement ? C'est de transférer l'épargne des gens vers l'investissement pour alimenter des projets de développement et de croissance des entreprises et, en rémunération de ce risque, d'obtenir une juste rémunération, un juste intérêt de ce risque. Voilà très simplement, de mon point de vue, ce que doit être l'objectif fondamental de la finance. Donc il y a des tas de gens qui pratiquent la finance de manière saine, raisonnable et équilibrée. Et puis il y a des secteurs où il y a des moments où il y a des gens qui dérivent. Et je crois que c'est bien ça. Mais on a l'impression que c'est global. On a l'impression qu'effectivement, il y a certainement des bons élèves, mais il y a aussi, et c'est ce qui est un peu à la une de l'actualité souvent, c'est les mauvais côtés de la finance. Oui, absolument. Mais c'est quand on s'écarte, je crois, de cet objectif fondamental qui est d'investir pour aider et supporter la croissance, qu'on on observe des dérives graves. Moi, je pense à deux exemples. Est-il normal, par exemple, que... un gérant de hedge funds touche 4 milliards de dollars par an. Hedge funds, on va rappeler, fonds spéculatifs. C'est Voilà, bon, ça pour moi, c'est une dérive grave et majeure. Y a-t-il une raison pour que la rémunération d'un individu pendant une année atteigne des sommes astronomiques de cette nature ? La réponse est évidemment non. Là, on est dans l'hyperspéculation. De la même manière, quand on sait qu'aux États-Unis, aujourd'hui, 70% des transactions sont réalisées par ordinateur, ce qu'évoquait Nicolas Bétou, sur des périodes de temps qui sont des microsecondes ou des nanosecondes, on est également dans des phénomènes qui favorisent l'hypervolatilité, donc la spéculation. C'est pour ça que je disais, il y a une finance, il y a une bonne finance, et puis il y a des dérives, notamment sur les marchés financiers. J'ai donné deux exemples. C'est de ça dont il faut se prémunir, et c'est sur ces dérives-là qu'il faut imposer des règles. Avant de passer justement peut-être à la question des règles, Nicolas Bétou, une réponse à ça ? Non, peut-être c'est un peu tôt pour débattre, mais je trouve que la définition donnée par Jean Dartuy est un petit peu
si j'ose dire, idéaliste. Je ne connais pas un seul financier qui investit juste pour le plaisir de se dire qu'il a participé au développement de l'économie. Je pense que c'est... Un épargnant avec son livret A. Jean, c'est le fonctionnement même de l'économie. Et là, vous avez parfaitement raison. Mais à la fin des fins, les gens qui investissent le font pour faire fructifier leur capital et ils essayent de le faire fructifier au maximum. Voilà, vous m'aviez demandé aussi un mot sur l'hypervolatilité. Oui. Tous ces outils qu'on a évoqués et sur lesquels Jean est revenu en détail ont créé dans la vie des marchés des possibilités de faire des décalages extrêmement brutaux et extrêmement rapides. Sans rentrer trop dans les détails, vous avez vu, par exemple, dans la crise actuelle, certaines valeurs bancaires, c'est-à-dire des actions de banque, baisser de 15% en une journée et remonter, c'est-à-dire démarrer la séance boursière à moins 15 et finir à plus 5. Des décalages comme ça étaient absolument inimaginables il y a quelques années. Ça n'existait pas. Et ceci est rendu possible, en effet, par la concentration d'outils technologiques. Et c'est vrai que les ordinateurs sont maintenant capables de donner des ordres. On nourrit les ordinateurs de données qui leur permettent de donner des ordres d'achat ou de vente. Deuxième sujet qui fait qu'on a ce genre d'hypervolatilité, le fait qu'il y a une concentration des marchés mondiaux sur un sujet à la fois. Aujourd'hui, la concentration des marchés mondiaux se porte sur la santé d'un certain nombre de banques, et donc la pression est non seulement hyper technologique, mais gigantesque sur telle ou telle banque à la hausse ou à la baisse. Et puis la troisième raison, et là aussi Jean l'a évoqué, c'est le fait que, tous ces financiers qui peuplent les salles de marché dans le monde entier ont été formés sur les mêmes mécanismes et réagissent aux mêmes stimuli. Et donc ils réagissent un peu dans le même sens en permanence, sachant qu'il y a des gens qui sont passés à l'étape d'après, c'est-à-dire qu'ils savent que le marché réagit comme ça et ils vont essayer de spéculer en se mettant à contre du marché. Et en général, ça marche très bien. Alors Jean-Pierre Leval, avant qu'on passe aux questions rapidement de la salle, est-ce que dans ce cas-là, il faut peut-être imposer de nouvelles règles? Alors c'est un petit peu large comme question et on aura le temps d'y revenir évidemment tout au long de ce débat, mais est-ce que selon vous, il faut imposer de nouvelles règles face à ces questions de spéculation et d'hypervolatilité? Je suis absolument persuadé que oui. Et je vais reprendre, je pense, la ligne de Jean Dartuis. Pour essayer de simplifier le débat, pour que chacun apprécie plus simplement quelque chose qui est souvent présenté de manière très complexe, il y a une bonne finance et il y a une mauvaise finance. Et la règle doit consister d'abord à les séparer et à les isolées l'une de l'autre. La bonne finance, quelle est-elle? Jean Dartuis l'a dit, c'est celle qui permet de financer l'économie réelle. Le risque de l'économie réelle et le risque spéculatif, c'est pas le même, Nicolas, je suis désolé, c'est pas le même risque. Le risque de l'économie réelle, c'est un risque d'entrepreneur. On investit, on fabrique des produits, on espère que le prix de vente des produits permettra de couvrir l'investissement initial. Le risque de ce que j'appelle la mauvaise finance, c'est le risque du jeu de bonneteau. Qu'est-ce que c'est que la spéculation pure? C'est un pari sur une évolution de prix dans l'avenir. Je parie que le prix des bateaux qu'il y a dans le port va être multiplié par 10 dans les 15 jours qui viennent. Si je trouve quelqu'un pour parier avec moi et que je gagne, je vais gagner beaucoup d'argent. Si je perds, c'est lui qui en gagnera. Ce que je veux dire, c'est que dans le pari spéculatif, il y a forcément un gagnant et un perdant. Il n'y a pas de valeur créée. Il n'y a aucune valeur ajoutée dans la finance spéculative. Il y a des gens qui ont besoin de parier pour des raisons liées à l'économie réelle. Mais le pari lui-même est sans création de valeur. Donc je distingue les deux finances. Pour simplifier et pour comprendre l'état du monde aujourd'hui, la finance spéculative, la mauvaise finance, le shadow banking, les hedge funds, etc., tout ça pour l'essentiel aujourd'hui, c'est non régulé. Il n'y a aucune régulation d'aucune sorte, ou à peu près. Je simplifie à peine. La finance, la bonne finance, celle qui finance l'économie réelle,
elle, elle est régulée. Les systèmes bancaires sont régulés, mais ils sont mal régulés. Et si vous me permettez, un mot là-dessus. Le système bancaire, le bon, celui qui est un peu chiant, hein, si je puis dire, qui n'est pas très intelligent, qui est un peu obtus, qui finance l'économie réelle, qui fait des avances et qui espère qu'elles seront remboursées avec le produit qui seront fabriqués grâce au crédit consenti. Cette finance-là, elle fabrique la monnaie. La monnaie fabriquée par les banques de crédit et de dépôt, la monnaie, c'est quelque chose qui est lié au souverain, qui est lié à un État, qui est lié à une nation. Pourquoi ? Parce que le billet que vous avez entre les mains, intrinsèquement, il ne vaut rien. Il circule parce qu'il a un cours légal. Donc il y a un souverain qui dit « ce bout de papier a une valeur que vous allez reconnaître dans les échanges entre vous ». Ce souverain, la monnaie, c'est donc un bien public. Si le système monétaire s'écroule, on revient à l'économie de troc, à l'économie néolithique. Donc cette monnaie bien publique, le souverain en est le garant. Et donc on voit bien que la bonne finance, la bonne banque, le système bancaire de base, il est nécessairement accroché à un État et à un souverain identifié. Et donc ce que probablement les dirigeants et même beaucoup d'économistes n'ont pas encore complètement réalisé, c'est que le système, le secteur professionnel, où il y a une contradiction absolue entre la structure de base du système et l'idée de mondialisation, c'est le système bancaire. Il n'y a pas de banque qui ne soit accrochée à un principe souverain. Alors, pour terminer rapidement, le shadow banking, la monnaie spéculative, etc., il faudrait la réguler. Il faudrait lui interdire d'être financée par la monnaie sérieuse, donc qu'elle aille chercher son argent directement sur les marchés. La banque sérieuse, il faut lui interdire de se livrer à des activités de banque casino. Et il faudrait rappeler deux ou trois choses. Comme elle a besoin d'un souverain pour la garantir, il ne faut pas que les banques de dépôt et de crédit deviennent trop grosses par rapport à la taille du souverain local, cas de l'Islande ou de l'Irlande. Les systèmes bancaires ont quasiment fait sauter les pays. Deuxièmement, il faut certainement que cette banque locale, elle travaille essentiellement dans sa monnaie et qu'on l'empêche de travailler dans des devises qui sont des devises d'autres souverains qui ne lui donneront aucune garantie ni aucune alimentation en liquidité en cas de difficulté. Et donc, voyez bien que, au risque de paraître archaïque, je suis pour une reterritorialisation de la bonne banque, de la bonne finance, et pour la fabrication de cloisons étanches absolues, comme elles furent créées, en les adaptant au monde d'aujourd'hui, en 1933 par le Glass-Steagall Act, après la crise de 1929, donc une séparation absolue entre la banque casino et la banque de base. Entre la banque de dépôt et la banque d'investissement. Exact. Voilà. On va prendre quelques questions dans le public. Alors voilà, peut-être monsieur, je vous ai vu lever le bras. Si on peut apporter un... Donc j'ai un point d'accord avec Arnaud Montebourg. Mais oui, je vois que vous êtes pour la démondialisation des banques. C'est... Absolument, ouais. Absolument. Et on reviendra d'ailleurs sur cette question démondialisation et territorialisation. Mais Montebourg dit qu'il faut mettre les banques au pas. Je n'ai pas dit ça. J'ai des nuances par rapport à Montebourg. Monsieur, une question. De ma fenêtre ou vu de la lune, vous choisissez l'échelle, on a l'impression que le système est tombé sur la tête et que plus personne n'y comprend rien. Est-ce que les experts y comprennent encore quelque chose? Alors, Hugues Lebray, peut-être. Non, mais c'est une très bonne question. Parce que je me rappelle très bien, quand j'étais à la Société Générale, de Rothschild, au moment où on a décidé d'isoler ce qu'on appelait la bad bank avec 40 milliards d'actifs. Et en fait, on était revenu des roadshows en se disant que parmi tous les investisseurs qu'on a vus et tous les analystes, il y en avait 3 ou 4 qui avaient compris ce qu'on leur avait raconté. Et en réalité, il y a beaucoup de contrats qui
qui sont des contrats de gré à gré, des produits qui sont sophistiqués, et avoir un avis sur ce qui peut s'appeler une bad bank, c'est extrêmement difficile, et ce n'est pas forcément les agences de notation. Donc il y a des fonds spécialisés qui donnent des avis sur les actifs, et donc il est probable effectivement qu'on ne comprenne pas grand-chose. Quand AIG a failli tomber en 2008, le grand assureur américain, il y avait tellement de CDS, tellement de contrats dans des marchés non régulés, qu'on n'était pas capable de savoir les conséquences de ce que pourrait être la chute d'AIG. Le contribuable américain a payé pour sauver AIG. Donc il est tout à fait probable que ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire sur l'évolution des masses considérables et sur la sophistication des produits, il est tout à fait probable qu'il y ait une masse considérable, peut-être la moitié, en tout cas une bonne partie de cette moitié des actifs, dont on ne comprenne pas grand-chose. Donc c'est un des vrais sujets. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Nicolas tout à l'heure, c'est-à-dire que les banquiers qui savaient que la situation allait se retourner, mais ils ne pouvaient pas le dire à leurs clients, etc. Je n'ai pas dit qu'ils ne pouvaient pas le dire. J'ai dit c'est très compliqué de dire à un moment à un client, ben, on arrête. Voilà. Ouais, mais ce qu'il y a aussi, c'est la part d'inconnu. Et moi, je pense qu'il n'y a aucun système qui résiste à un phénomène de panique généralisée. Et donc, toutes les banques ont des stress tests. Toutes les banques se disent s'il arrive telle occurrence, si la croissance est comme si le prix de l'immobilier... Des tests de résistance. Ça, si l'inflation est comme si, etc. À des tests de résistance. Et qui sont calculés en fonction de données historiques. C'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers cycles, depuis les années 30, depuis ce qu'on veut. Et puis, s'il se passe cette occurrence, il y avait eu tel impact à l'époque. Et donc, voilà ce que ça donnerait. Et chacun essaye de modéliser son niveau de risque et donc le niveau de capital qu'il faut derrière pour couvrir ce risque-là. Mais en 2007... Fin 2007, c'est-à-dire en novembre 2007, quand les indices synthétiques du marché résidentiel américain se sont effondrés de 40%, personne n'avait dans ses modèles que ça pouvait baisser de 40%. Tout le monde avait 15%, etc. Tout le monde a été surpris par la violence du choc. C'est-à-dire que quand tout se détricote, il y a un phénomène d'accélération, et comme tout est corrélé, on peut avoir... Et en fait, dans la part du risque et dans la part de la spéculation, il y a toujours cette donnée qui est l'imprévu. Chaque fois qu'on investit, chaque fois qu'on prend une décision, on prend un pari sur l'avenir. Donc il faut que ce pari soit à peu près raisonné, à peu près mesurable. Mais il y a toujours une part de surprise qui fait que ça peut aller beaucoup, beaucoup plus loin. Et là, on est dans ce moment où la part de surprise est allée beaucoup, beaucoup plus loin. En même temps, on est à la fin d'un modèle parce qu'il n'y a plus d'investisseurs pour prêter aux États qui peuvent devenir insolvables comme la Grèce. Et en même temps, il y a une quantité d'actifs dont on ne sait pas quoi faire. J'ai discuté avec un dirigeant de Dexia vendredi à midi. La somme des activités de Dexia va bien. La banque au Luxembourg va bien, la banque en Belgique va bien, le financement des collectivités locales en France vont bien, etc. Par contre, il y a une telle non-confiance dans les 90 milliards d'actifs de Dexia qu'ils se retrouvent face, plus ce qu'ont fait les Américains cet été sur la liquidité des banques françaises, mais ils se retrouvent face à une impossibilité à réemprunter de l'argent pour reprêter ou pour rembourser ce qu'ils avaient déjà emprunté. Donc le système se bloque complètement. Et donc voilà. on est dans un phénomène de confiance. Et donc une notion sur la spéculation ou sur le risque ou sur le métier de banquier, et je ne suis pas tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Levat parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont très corrélées et que je pense que si on coupe les activités de banque de détail et de banque d'investissement, ça va rendre quelque part le crédit beaucoup, beaucoup plus cher pour tout le monde et donc la croissance un peu moins forte. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas capable de connaître l'ensemble des risques et de les mesurer exactement. Et aujourd'hui, c'est devenu très grave parce que les masses sont considérables et la quantité d'actifs dont on ne comprend pas grand-chose de ce qu'il y a dedans sont considérables. Est-ce que je peux ajouter simplement que Dexia, c'était un portefeuille en dollars. Oui. S'il avait été en euros, ça passait. C'est tout. Alors peut-être une question, mais très très rapide, parce qu'il va falloir malheureusement... On aura l'occasion de poser d'autres questions tout à l'heure, monsieur. Madame. Okay, bonsoir. Qu'est-ce que vous pensez des taxes sur les transactions financières, comme certains politiques le proposent ? La fameuse taxe Tobin. C'est toujours le client final qui payera. Voilà une réponse tout à fait claire et rapide. On n'a pas entendu ta question. Non, ma réponse, c'est toujours le client final qui payera. C'est-à-dire que si vous augmentez les prix quelque part, ça se retrouve dans les prix de vente. Mais je trouve que cette taxe est une bonne chose. Parce que ça rapportera un peu de sous à l'État qu'on a vraiment besoin. Alors, Jean-Pierre Levat tout à l'heure disait qu'il y avait peut-être une bonne et une mauvaise finance. On va voir un extrait d'un reportage de la série télévisée Les Artisans du Changement. Vous allez faire connaissance de, peut-être est-ce que vous le connaissez déjà, Mohamed Younous, le fondateur de Grameen Bank, qu'on appelle souvent la banque des pauvres, on l'appelle le banquier des pauvres. Son principe, c'est d'offrir aux pauvres la possibilité d'améliorer leur situation en empruntant de toutes petites sommes.
Mohamed Younous, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2006. Je vous propose de regarder. Au Bangladesh, Mohamed Younous a réussi à initier des changements non seulement dans le système bancaire, mais dans d'autres secteurs de l'économie. Il a fondé des sociétés dans les télécommunications, le textile et dans les énergies renouvelables. Chaque entreprise est imprégnée de l'esprit originel qui a toujours motivé Mohamed Younous. L'économie de marché doit créer des richesses et elles doivent être partagées par ceux qui les ont créées équitablement. S'il investit dans des projets sociaux, ce n'est pas pour faire œuvre de charité, c'est pour créer une économie solide, plus rentable et plus juste. L'effondrement des grandes banques et des grandes institutions financières, c'est le résultat de leur avarice. Elles se sont tellement concentrées à faire de l'argent et à créer un monde artificiel qu'elles ont créé un château dans les airs. Et elles ont affirmé que c'était quelque chose de réel. Elles ont pu faire plus d'argent, toujours plus d'argent. Elles ont utilisé les leviers financiers pour faire grossir leurs capitaux. Elles sont allées toujours plus loin. Elles n'ont pas réalisé qu'elles s'étaient considérablement détachées de la véritable économie. Quand une chose, une toute petite chose, est allée de travers, comme pendant la crise des subprimes, toute la structure s'est effondrée. Mais à la Grameen Bank, nous sommes très près de l'économie, de la véritable économie. Quand nous octroyons un prêt de 50 euros ou de 150 euros, derrière il y a une vache, quelque chose de réel. Derrière chaque euro, il y a une économie réelle. Obtenir un prêt à la Grameen Bank n'est pas une chose facile. Le processus administratif est complexe, mais c'est un travail qui incombe aux employés, pas aux clients. Le prêt que nous octroyons est un véritable prêt, dans le sens premier du terme, de ce pourquoi les banques ont été créées à l'origine. C'est juste un lien entre les dépositaires et les emprunteurs. Nous prenons l'argent qui est déposé et nous le remettons aux emprunteurs pour qu'ils l'investissent dans quelque chose de concret. Il y a de véritables biens derrière cet argent. Nous sommes prêts, très près du véritable concept de ce que doit être un banquier. Faire de l'argent pour finalement faire encore plus d'argent, mais ça n'a aucun sens. Pourquoi devrais-je toute ma vie faire de l'argent? Pour faire quoi? Pour accomplir quoi? Une entreprise qui se base sur le profit peut faire de moi un homme riche. Mais avec une entreprise sociale, je peux apporter un changement sur la planète. Alors voilà donc une autre manière de penser et de réfléchir à la question de la finance, avec peut-être cette question de faire de l'argent. Je me tourne vers vous, Nicolas Bétou. Tout à l'heure, Hugues Lebret, c'est vrai, on a un petit peu parlé de cette crise de 2008. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être assez brièvement, qu'est-ce qui avait provoqué cette crise? Il a parlé de l'immobilier américain, c'était un peu le déclencheur. Pour parler brièvement de la crise de 2008, il faut quand même remonter quelques années auparavant, parce que c'est une crise qui prend ses racines dans une décision politique, qui est celle d'un chef d'État démocrate, Bill Clinton, qui, au moment de la campagne pour sa réélection, confronté à une crise immobilière et à un problème de logement aux États-Unis, incite les banques, incite même, j'allais dire, brutalement les banques, à financer davantage des logements. Et les banques mettent en place un système qui est là purement spéculatif et qui est fondé sur un principe simple. Même si vous n'avez pas les moyens aujourd'hui de rembourser un prêt parce que vos revenus sont insuffisants, nous faisons le pari que le marché immobilier va monter en permanence et que le jour où vous devrez rembourser, le jour où vous devrez rembourser votre maison, elle aura une valeur telle que, rétroactivement, vous aurez été, entre guillemets, solvable. Donc tout ça fonctionne très bien. C'est un pari sur l'enrichissement permanent. Ça fonctionne très bien tant que le marché immobilier monte. Les banques, voyant qu'il y avait quand même un danger relativement important, se disent « on va disperser les risques ». Hein. Je ne sais pas si... regardez, on va essayer d'imaginer ça. Vous êtes... voilà, j'ai des papiers blancs, des papiers jaunes, des papiers rouges. Je suis banquier. Nous sommes banquiers, nous, ici. Et on a prêté de l'argent à des gens qui, aujourd'hui, sont insolvables. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas assez d'argent pour rembourser. Et tous ces risques-là, je vais les disperser. Donc je vais en donner un peu toutes les couleurs à chacun dans le monde entier. Je vais les placer, et je ne sais plus où ils sont.
D'accord ? C'est ce qu'on appelle les subprimes. Et au moment où le marché américain immobilier commence à se gripper, on se dit, bon sang, ces risques qu'on a dispersés un peu partout, on ne sait plus où ils sont. Et on ne sait plus comment les rembourser. Alors qu'est-ce qui se passe ? Des banques menacent de faire faillite. Une banque fait faillite. Une deuxième fait l'objet de ce qu'on appelle un bank run, c'est-à-dire que les gens se précipitent au guichet, on voit les fils s'allonger. C'est une banque écossaise, RBS. Et on appelle les États au secours. Et donc les États viennent au secours de la finance mondiale, nationalisent dans certains cas, prennent des participations seulement dans d'autres ou prêtent massivement dans les troisièmes. Fin de l'acte 1, les États sont venus sauver la finance. Alors là, on a une période pendant laquelle on a un peu partout dans la presse en particulier un concert de louanges sur le rôle de l'État protecteur, le keynésianisme, le fait que, bien sûr, face à la finance, il faut des États forts, etc. Et on oublie juste un truc, c'est que les États sont obligés de s'endetter et n'ont pas les moyens de faire ce qu'ils font. Là, on est en 2009 à peu près. Et on est à la fin de... Oui, on est fin 2008 et on est toute l'année 2009. Et donc, cette crise du système immobilier, qui donne une crise sociale, qui donne une crise économique, etc., devient une crise des États. C'est l'acte 2, c'est la crise de l'endettement des États. Et cette crise, elle se révèle à l'occasion d'un dysfonctionnement majeur, qui est le dysfonctionnement grec. La Grèce a triché, elle a menti sur ses comptes publics pour rentrer dans l'euro, et ayant menti, on s'aperçoit brutalement à un moment qu'elle ne peut plus rembourser. Et on est dans la situation extrêmement paradoxale de voir qu'on arrive maintenant, acte 3, à une troisième crise qui est celle des banques. Et les banques sont en crise. Pourquoi ? Parce que quand il a fallu les sauver, les États ont dit « Attendez, vous avez pris des risques inconsidérés », en oubliant d'ailleurs que c'est le politique qui leur avait dit de prendre des risques inconsidérés sur l'immobilier. « On va vous demander de prendre des titres solides. Vous allez prendre des emprunts d'État ». Et les États qui se sont endettés pour sauver les banques ont été, en fait, ont émis des obligations, des titres d'État qui ont nourri le système bancaire. Et ce sont ces emprunts d'État maintenant qui sont la fragilité essentielle, acte 3, du système bancaire. On en est là. Il faut maintenant faire face à un sauvetage d'un certain nombre de banques, un désendettement des États et donc une crise de confiance généralisée. Voilà. Très brièvement, ce qui s'est passé avant et depuis 2008. Alors, quoi qu'il en soit, en 2008, il y avait eu beaucoup de déclarations, notamment de politiques, qui disaient il faut instaurer des garde-fous. Vous voulez pas un peu de mes subprimes ? Il faut créer de nouvelles règles. Jean d'Arthuis, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites depuis 2008 ? Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a des choses qui ont changé ? En tout cas, il y a des tentatives de faire évoluer, de réguler un petit peu la finance. Alors, si on revient un petit peu sur la finance en général, moi, je crois que la question de savoir si on peut moraliser la finance, c'est un débat qu'on ne peut pas résoudre. Il s'agit plutôt, comme on l'a dit tous, je crois, de cantonner la mauvaise finance et de savoir celle-là, comment la réguler et comment empêcher les dérives de la mauvaise finance. Donc je crois qu'il ne s'agit pas tellement de savoir et de chercher de la morale dans la finance. La finance, comme on l'a dit, elle participe à la croissance des marchés. Et les résultats sont logiques. La finance, elle est toujours logique. C'est le fonctionnement du capitalisme, finalement. J'investis aux côtés d'un entrepreneur qui a une bonne idée, ce que vous disiez tout à l'heure. S'il y a une création de richesse, il est normal que j'ai une rémunération du risque que j'ai pris, même si elle est très élevée, parce que j'ai contribué à la création de richesse générale, j'ai contribué à la création d'emplois, donc c'est normal. La finance est logique. De la même manière, si j'ai investi aux côtés de l'entrepreneur et que l'idée était mauvaise et que le marché n'a pas répondu, j'ai perdu. C'est la règle, c'est la logique. Donc moi, je crois que c'est plutôt là où, on l'a dit, la finance de marché a totalement dérivé, qu'il faut s'attaquer à imposer des règles importantes. Mais finalement, il n'y a pas eu de nouvelles règles depuis 2008. Il y a des tentatives, mais je crois qu'on n'est pas du tout à la hauteur des sujets, des dérives. On peut prendre quelques exemples. Est-ce qu'on a le droit de toujours faire des ventes à découvert ? Ce système est quand même invraisemblable. Je vends des montants astronomiques de titres d'actifs que je n'ai pas. Ouais. Bon. De la même manière, est-ce que je peux continuer à avoir des marchés d'options, si on reprend l'exemple du bateau, est-ce que je peux spéculer sur le fait que le bateau dans le port qui vaut 10 aujourd'hui vaudra 100 demain et acheter un droit d'achat pas cher
pour le futur. La titrisation, on l'a vu, si on reprend les papiers de Nicolas Bétou, vendu très cher à la petite agence du port de Marseille, alors que je voulais acheter des produits monétaires sans risque et qu'en fait j'ai acheté du crédit immobilier américain. Tout ça, je pense, doit être de manière beaucoup plus forte régulé, voire interdit. Et ça n'est qu'en interdisant ça qu'on aura imposé des véritables règles. Pour finir sur votre question, vous demandez si, est-ce qu'il y a une véritable volonté politique de réguler tout ça. Moi, je crois qu'il faut aussi ne pas se tromper de débat, parce que selon la bonne vieille méthode du bouc émissaire, aujourd'hui, c'est le monde de la finance, les banques, qui sont responsables de la crise. Or, on l'a abordé, c'est quand même l'irresponsabilité des États depuis 30 ans qui ont conduit à une asphyxie générale et aujourd'hui une défiance et une perte de confiance totale des marchés dans la capacité des États à rembourser les emprunts, qui sont aujourd'hui objectivement insupportables pour nous tous. Et donc nous n'avons pas anticipé le changement géopolitique du monde, nous n'avons pas anticipé le changement de centre de gravité de la croissance, nous n'avons pas anticipé tous ces sujets-là. Et l'État a financé bien au-delà de nos capacités et un train de vie qui est aujourd'hui insupportable. Et donc c'est facile de montrer du doigt la finance et les marchés, alors que la responsabilité première, depuis 30 ans, elle est plutôt des États qui sont aujourd'hui sanctionnés par les marchés. C'est dans ce sens-là qu'il faut, à mon avis, lire la réalité de la situation. Jean-Pierre Levat, je vous vois acquiescer. Si finalement peu de choses ont changé depuis 2008, c'est une question politique ? Oui, c'est une question politique. Fondamentalement, c'est une question politique. Je suis à nouveau totalement d'accord avec Jean d'Arthuis. Deux ou trois images simples. Qu'est-ce que c'est que la finance, qu'elle soit bonne ou mauvaise ? C'est une activité dont la matière première est de la dette. C'est une activité où on émet, où on négocie, où on spécule sur de la dette. Et donc, si vous avez un excès de dette, vous avez nécessairement une finance hypertrophiée. Nous avons aujourd'hui une finance hypertrophiée parce que, dans le monde entier, on a, pendant trois décennies, accumulé sans limite de la dette. Donc oui, la responsabilité est une responsabilité de gouvernement, au sens large du terme. Deuxièmement, la séparation. Deuxièmement, théorème que je vous propose, toute activité financière non régulée fait faillite. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que la dette s'allie en général à un emprunteur et à un prêteur. L'emprunteur, il est très content de trouver de l'argent à emprunter. Donc ce n'est pas lui qui va s'auto-réguler. L'emprunteur, il va chercher à emprunter le plus possible, tant qu'il aura en face des prêteurs qui prêteront. Les prêteurs, en matière financière, plus ils étendent leurs activités et plus ils ont l'impression d'être prospères, puisqu'ils n'ont rien à investir. Le seul coût qu'ils ont, ils l'ont plus tard, au moment du sinistre, quand l'emprunteur ne rembourse plus. Comme tous les entrepreneurs, même les financiers, ont tendance à être naturellement optimistes, les prêteurs ne s'autorégulent pas non plus. Et donc, toute activité financière non régulée fait faillite. D'ailleurs, j'ai pour moi l'histoire, l'histoire financière, c'est une longue succession de faillites et de catastrophes. Il y a quelques succès aussi, quand même. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de succès, mais en général, il n'y a pas de série de succès qui ne soit interrompue par une grosse faillite. Alors, donc, il faut réguler sur la finance spéculative. La banque casino. Pourquoi je pense que rien ne s'est passé ? Parce que si vous prenez les déclarations même des autorités régulatrices, je me réfère à des déclarations publiques de Jean-Pierre Jouyet, président de l'AMF. L'autorité des marchés financiers. Autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, les produits dérivés, la masse des produits dérivés, quelle que soit leur forme, on ne les connaît pas. On ne sait pas où ils sont, on n'en connaît pas les montants, on ne connaît pas les transactions. Les transactions ne sont enregistrées nulle part. Ce sont des transactions, pour la plupart, de gré à gré.
Et donc, en gros, 70% des transactions de la finance dite spéculative échappent aujourd'hui à la connaissance. Donc, comment voulez-vous réguler quelque chose que vous ne connaissez pas ? Et donc, le travail d'amont, qui n'est pas fait pour l'instant, c'est un travail purement et simplement de connaissance. Alors, on reviendra sur cette question de régulation, d'ailleurs, dans cette troisième partie qui sont les propositions. On aura plus de temps tout à l'heure, messieurs et mesdames du public, pour poser des questions. Peut-être est-ce que vous pouvez vous dire un petit mot mais... Un petit mot, parce que tout ce que dit Jean-Pierre Levade est frappé au coin de l'expérience et du bon sens. Je voudrais juste quand même attirer l'attention de vous tous, mesdames et messieurs, sur le fait que réguler la finance est un objectif louable. C'est un objectif qui n'est pas récent, premier point, et qui ne sera jamais satisfait. C'est un objectif qui n'est pas récent. Les scandales financiers sont, j'allais dire, aussi vieux que la finance. Ceux qui ont fait un peu d'histoire se souviendront du scandale de Loss, mais de la même manière, avant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait une pression qui était devenue d'ailleurs une pression politique qui a donné ce qu'on savait sur les gnomes de Zurich, c'est-à-dire le fait que la finance était dirigée par les banquiers suisses. Donc c'est un vieux débat. C'est un vieux débat. Et deux, c'est un débat qui ne cessera jamais. Pourquoi ? Parce que, par construction, nous avons en face de nous une quête permanente entre la bonne et la mauvaise finance. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut privilégier et si possible, tendre vers la bonne finance. Mais tout le monde sait très bien que la nature est ainsi faite, qu'il y a en permanence la recherche d'espaces nouveaux dans lesquels il y a de la spéculation, des excès, des dérives qui sont à leur tour corrigées. Et ce phénomène de balancier permanent entre une finance qui travaille pour l'économie réelle et une finance qui travaille pour elle-même, il existe depuis très longtemps et il existera toujours. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts pour réguler et qu'il faut les faire en permanence, mais ça veut dire qu'il ne faut pas s'imaginer qu'en réunissant toutes nos bonnes volontés plus celles du G20, on arrivera un jour à faire en sorte que voilà, il n'y aura plus que de la bonne finance et tout sera régulé. Alors, c'est pas vrai. On aura toujours des interstices, des mécanismes, des outils, des leviers, des innovations, une imagination qui feront qu'il y aura à nouveau des dérapages et de la régulation. Il n'y a pas de baguette magique, et je crois que tout le monde est à peu près d'accord sur cette question, mais peut-être est-ce qu'on peut formuler des propositions. Jean Dartuy, vous travaillez au FSI, le Fonds stratégique d'investissement, qui est considéré comme un fonds souverain en France. Est-ce que, selon vous, l'action du FSI, qui est d'investir au long terme dans les entreprises, est-ce que c'est peut-être ça le sens qu'il faut donner au système financier ? Ah oui, je ne vais pas vous étonner sur la réponse, mais évidemment oui. Peut-être est-ce que vous pouvez aller plus loin ? Non, mais ça c'est la bonne finance, de mon point de vue, et c'est pour ça que ça m'enthousiasme. Qu'est-ce que c'est que le FSI ? Le FSI, c'est de l'argent public, hein, 20 milliards d'euros, qui sont au service de la croissance, du développement des belles entreprises françaises pour faire rayonner les savoir-faire, pour conserver les savoir-faire en France et poursuivre le développement de ces belles entreprises. Et pourquoi je dis que c'est la bonne finance ? Parce que ça poursuit un double objectif, qui peut être considéré comme contradictoire, mais qu'on essaye de mettre en œuvre tous les jours. C'est à la fois d'être un investisseur avisé, donc faire du rendement, on cherche du rendement, mais toujours au service de l'intérêt général. Et c'est, je crois, fondamental, cette notion d'intérêt général. Si le monde de la finance pouvait être un peu plus responsable et avoir toujours en tête qu'on peut allier rentabilité, rémunération du risque et intérêt général, je pense qu'on aurait résolu une bonne partie des problèmes. En tout cas, vous témoignez sur le fait que ça peut fonctionner. Ça fonctionne. Je vais vous donner 2-3 exemples qui intéressent les Marseillais, parce qu'il y a des exemples concrets de ce qu'on fait et de ce que le marché ne fait pas. C'est là où c'est grave. C'est que le monde de la finance privée ne répond plus aux besoins des entreprises aujourd'hui. Donc double objectif, rentabilité et intérêt général. Et au moyen de 3 modalités qui, à mon avis, évitent les dérives graves de la finance, qui sont le long terme. Le FSI investit à long terme. On ne peut pas exiger un projet entrepreneurial à une entreprise de délivrer un rendement rapidement. C'est une illusion. Il faut du temps. Deuxièmement, sans endettement. On voit tous les jours le drame de l'endettement, tant pour les États que pour les entreprises que pour les particuliers. Et troisièmement, avec une gouvernance responsable. C'est-à-dire que nous demandons d'être au conseil d'administration des entreprises, notamment pour s'assurer qu'il n'y ait pas de dérive concernant les rémunérations, concernant les délocalisations d'emplois, par exemple. Donc c'est au moyen de ces 3 modalités-là, c'est très important d'avoir ça en tête, le long terme, l'absence d'endettement excessif
et une gouvernance responsable, notamment socialement responsable, que je crois que l'investissement peut être au service de l'intérêt général. Je prends trois exemples d'entreprises marseillaises. Le groupe Daher, qui est une entreprise familiale, formidable, qui s'est profondément transformée, qui est passée d'une société de logistique à aujourd'hui une entreprise qui investit lourdement dans le nucléaire et dans l'aéronautique, des secteurs dans lesquels la France est très compétitive. C'est 7500 emplois et une douzaine de sites industriels en France. Bon, ben voilà, le FSI a investi dans cette entreprise de manière à ce que la famille puisse continuer à transmettre de génération en génération ses savoir-faire et les faire rayonner à l'extérieur. Je prends un deuxième exemple. Une entreprise de travaux publics qui s'appelle NGE, qui ne trouvait pas d'argent pour poursuivre sa croissance et dans lequel le FSI est rentré, et grâce à nous a permis de racheter une autre entreprise dans le ferroviaire, TSO, qui est une entreprise qui a des savoir-faire extraordinaires dans la pose de rails de grande vitesse. Deux entreprises qui représentent près de 6000 emplois et une dizaine de sites industriels en France, avec des vrais savoir-faire français. Je crois que ça, c'est la bonne finance. C'est celle qui consiste, comme je le disais au départ, à investir dans long terme, sans endettement, pour participer à la croissance et au développement des entreprises. Donc voilà, la page de pub pour le FSI, c'était, je crois, illustre assez bien ce que moi je considère comme étant la bonne finance et ce que demain, le modèle vers lequel on doit tendre. Alors on va rappeler, hein, donc, un endettement, enfin justement, pas d'endettement, une vision au long terme et une gouvernance socialement responsable, comme on l'appelle. Hugues Lebray, est-ce que vous avez le sentiment qu'une finance, la finance en général, pourrait se calquer sur quelque chose comme ça ou quelque chose de pas purement spéculatif? Ou est-ce que là, c'est une illusion, une vue de l'esprit? Non, non, je pense que ça, c'est des cas particuliers. Non, ça pourrait se caler, mais pour avoir une échelle de grandeur, le FSI, c'est 20 milliards. Le total de bilan de BNP Paribas, c'est 2600 milliards. C'est-à-dire que c'est plus que le PIB du pays, quoi. C'est-à-dire, et c'est 4-5 fois le budget de l'État. C'est trop gros. Et donc je pense que il y a énormément de choses à faire. J'en parlais pas de parler d'une scission. C'est vrai que ça a eu lieu pendant des années, qu'on est revenu dessus. Et en même temps, je ne sais pas ce que donne une banque d'investissement sans les assises de dépôt et comment elle assure cette liquidité pour financer les grands projets internationaux. Crédit Lyonnais était très fort dans le financement d'avions. Et donc, il y a les marchés, mais donc il faut bien une banque de marché qui soit adossée quelque part à une économie réelle. Sinon, c'est le coût du crédit qui va augmenter considérablement, puisque si on n'est pas assis sur des dépôts, il faut aller chercher de la liquidité ailleurs. Et donc, ça devient très compliqué. Ce qu'on appelle le loan to deposit des banques. En France, c'est 140%, les grandes banques de détail. Mmh. Et bien, si on le sépare, et bien, il y aura un loan to deposit de 100%, c'est-à-dire la quantité de dépôt par rapport à la quantité de crédit. C'est-à-dire que si je suis dans une banque qui finance l'économie réelle pure, et en fait, je prête les dépôts que j'ai ou un petit peu plus, je n'ai pas beaucoup de risques parce que je n'ai pas assuré des refinancements compliqués. Mais si je sépare, l'activité qui faisait la différence entre 100% loan to deposit et le 140%, ben elle va avoir un loan to deposit de 200%, de 300% par rapport au niveau de fonds propres. Donc elle va avoir des exigences de fonds propres, et ça c'est quelque chose qui a changé depuis 2008 que demandent les régulateurs. Donc ça veut dire un coût de ces opérations, un coût du crédit, un coût de la rémunération des fonds propres qui va devenir très élevé. Et donc ce coût très élevé va ralentir la croissance. Et donc paradoxalement, ce qu'ont fait les régulateurs depuis 2008, c'est d'augmenter les exigences de fonds propres des entreprises européennes, ce qu'ont fait dans une moindre mesure les Américains, et donc c'est de ralentir la croissance européenne. Habituellement, on savait que les fonds propres étaient quelque chose qui bougeait et qui oscillait en fonction des cycles, et qu'on était, je dirais, en période de vache maigre dans les bas de cycles, et qu'on était en période de vache grasse dans les hauts de cycles. Maintenant, on demande en bas de cycle d'être en période de vache hyper grasse. Donc c'est le coût du crédit, et c'est le coût de la croissance, à mon avis, qui peut être compromis par ça. Maintenant, il y a énormément de choses à changer. Il y a des tas d'activités. L'exemple que donnait Jean Dartuy tout à l'heure, c'est-à-dire du patron de hedge fund, qui tout simplement a une commission de performance de 20%. Est-ce qu'il est normal que quelqu'un ait une performance de 20% à court terme? Donc ça, c'est des choses qui peuvent changer. Dans la spéculation, il y a beaucoup de programmes automatisés qui vont chercher des écarts de prix et qui font ça pour le compte propre des banques. C'est Kerviel, c'est l'arbitrage de Varan. Donc c'est des sommes considérables pour capter des petits écarts sur des marchés différents. C'est stupide, ça ne sert à rien. C'est des opérations qui ne devraient pas avoir lieu. Le fait que le broker par lequel il passait ait des bonus
qui soit corrélé avec ses volumes, alors que s'il passe un ordre de 100, un ordre de 1000 ou un ordre de 1 million, il appuie sur le même bouton et il exécute quelque chose qui est décidé ailleurs. Pourquoi est-ce que lui, il a un bonus qui est complètement corrélé au volume qu'il traite? Donc il y a un ensemble de choses. Vous êtes d'accord sur la gouvernance, sur le, d'être plus responsable donc, socialement à donc, ce niveau-là? Donc je pense que les sujets sur la gouvernance dans chacun des pays commencent à être bien adressés. Je pense que, comme Jean-Pierre Levade, il faut remettre tout ça à des échelles qui sont gérables par chacun des pays. Il n'est pas normal que le contribuable français soit le réassureur in fine de total de bilan aux États-Unis de grandes banques comme BNP Paribas, comme Société Générale. Et ce n'est pas le contribuable français qui doit payer pour ça. Mais je pense aussi qu'il y a des efforts à faire dans la gouvernance mondiale qui n'existe pas. Mais je pense aussi qu'il y a énormément de choses à faire dans les comportements humains dans chaque institution. Moi, par exemple, je suis très favorable à ce qu'on fasse un quinquennat renouvelable une seule fois pour les patrons de banque, pour les patrons d'activités de marché, pour les patrons de banques d'investissement. Et donc, le fait de se poser la question de qui va être son successeur et combien va être propre la banque que je laisse à mon successeur est quelque chose qui donne beaucoup plus de vigilance. Je suis pour que sur chaque opération, il y ait des diligences qui soient faites, qui soient nettement supérieures à ce qui est le cas aujourd'hui. Si on prend le cas du subprime, il y a des gens qui achetaient du crédit hypothécaire américain noté AAA par des agences américaines, mais qui ne savaient pas que ça passait par des courtiers, que ce n'était pas régulé aux États-Unis. Les diligences n'avaient pas été faites sur ce qu'on appelle le produit sous-jacent, qui est le crédit in fine. Donc je pense qu'il y a un lot de choses à faire considérables sur les comportements à l'intérieur des institutions et sur la manière dont on manage, dont on gouverne et dont on orchestre la rotation des équipes. Ça, c'est quelque chose qu'ils n'ont pas du tout adressé. Puis il y a tout un pan, parce qu'on en a parlé un petit peu, mais on est dans un monde de technologie, on est dans un monde de risque opérationnel sur ces technologies, et là, c'est absolument pas adressé par les régulateurs. Pour l'instant, on a traité le sujet des fonds propres, on n'a pas traité le sujet de la gouvernance mondiale, on n'a pas traité le sujet des comportements humains, et on n'a pas traité le sujet de la prochaine crise informatique qui aura lieu, et là, il n'y a aucune instance qui a une idée de la moindre qualité de ce qui peut exister dans chacune des institutions financières. Jean-Pierre Levade, est-ce que vous avez l'impression, enfin là on a l'impression que le chantier est absolument pharaonique, on ne va jamais s'en sortir, qu'il va falloir réguler à tous les étages et contraindre peut-être certaines personnes, notamment dans la finance. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est quelque chose de réaliste de réguler la finance, de moraliser la finance? Je ne prendrai pas le terme moraliser, hein, comme chacun des c'est intervenants. C'est juste le terme du débat, mais... fixer des règles. C'est à la fois très simple dans son principe et très difficile à faire parce qu'il faut une volonté politique commune. De faire. Commune. Si possible, commune. Au minimum par zone monétaire. Puisque j'ai expliqué tout à l'heure que il devait y avoir une correspondance entre le périmètre du système bancaire et la monnaie souveraine correspondante. Donc il faut une volonté commune, par exemple, dans la zone euro. Pourquoi c'est simple? Pour répondre à un ou deux arguments avec lesquels je ne suis pas complètement d'accord. Bien entendu, je ne suis pas naïf. Je sais très bien que la spéculation continuera à exister. Elle est peut-être d'ailleurs utile à certains égards, de manière marginale. Et d'ailleurs, même si on l'interdisait, elle réapparaîtrait sous une forme ou sous une autre. Vous voyez, Nicolas, je suis d'accord avec vous. Le jeu de bonneteau est interdit depuis très, 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 très longtemps. Il y a une rue de Paris, je ne vous donnerai pas l'adresse, où on peut aller jouer au bonneteau tous les jours de très grosses sommes, et où je vous garantis qu'il y a des gains énormes faits par certains et que la valeur ajoutée créée est strictement nulle. Le plaisir. À part le plaisir. Enfin, bah, surtout de ceux qui gagnent. Oui, c'est ça. Oui. Ce que je dis qui est différent, c'est que les grandes faillites systémiques, celles de 1929 et celles à laquelle on va peut-être assister demain, sûrement, elles sont liées au fait que le défaut qui naît dans la finance spéculative est financé par de la monnaie. Et donc, ce que je dis, c'est qu'il faut une cloison entre le système bancaire classique et le système spéculatif. Une cloison absolue. Vous voulez faire de la spéculation, vous voulez jouer, faites, je vous en prie. Mais allez directement sur le marché pour trouver les sommes correspondantes. Allez directement chez les épargnants. Et le seul point de désaccord fondamental que j'ai avec Hugues Lebret, c'est que
Je ne vois pas, je n'ai jamais compris comment cette séparation, j'ai vécu dans des instances bancaires dites universelles où il y avait tous les métiers, je ne vois pas en quoi cette séparation pèserait sur la croissance de manière négative ou augmenterait le taux du crédit. Je vois en revanche très bien, dans l'autre sens, ce que les faillites du système ont coûté en termes de croissance perdue. On va juste rappeler un point d'histoire. Cette séparation, ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act aux États-Unis, a été mis en place à l'époque en 1933. Il est resté valable jusqu'en 1989. Voilà. C'est sûrement une coïncidence, mais pendant toute cette période, il n'y a pas eu de matérialisation de risques systémiques dans la finance mondiale. Alors, j'ai une question sur la croissance, parce que c'est vrai qu'il y a derrière la finance, il y a la question du financement de l'économie, au-delà de la question de la spéculation. Et certains disent, oui, mais si on régule trop, si on met trop de barrières à la finance, eh bien, ça va casser la croissance et on va se retrouver dans des systèmes de récession. Nicolas Bétou, est-ce que vous avez le sentiment qu'on peut réglementer la finance sans supprimer la croissance ? Oui, mais c'est un risque permanent. C'est vrai que tout ce qui est régulation a pour objet de limiter un certain nombre de risques. Et par définition, en limitant des risques, vous limitez aussi des initiatives. Et en limitant des initiatives, vous limitez de la création de richesses. Encore une fois, la spéculation peut être une bonne chose. Je voudrais quand même que vous ayez tous à l'esprit que l'espèce de diabolisation de la spéculation est une facilité de l'esprit. J'ai passé un assez long moment aux États-Unis cet été à regarder ce qui se passait sur la côte ouest, sur la côte est, dans les métiers qui m'intéressent, c'est-à-dire tout ce qui est médias, création de contenu, etc. Sur la côte ouest, il y a une espèce de conjonction inouïe, incommensurable, au sens propre du terme, c'est-à-dire impossible à mesurer, entre la collaboration entre le public et le privé au travers des universités, des masses gigantesques d'argent qui viennent financer de l'innovation et de la création de produits matériels ou immatériels, de logiciels, d'applications, d'applis, comme on dit maintenant, qui sont à l'origine d'une gigantesque création de richesses et d'emplois. Ça, c'est de la création de richesses. Mais quand vous regardez un petit peu le détail, vous vous apercevez qu'il y a des financiers qui mettent de l'argent dans beaucoup d'entreprises, qui savent que 2 sur 3 de leurs investissements seront perdus, mais que le troisième sera extrêmement rentable. Et quand vous regardez un petit peu plus finement, et ça c'est de la bonne spéculation, quand vous regardez un peu plus finement, vous apercevez qu'il y a des financiers qui mettent beaucoup d'argent sur quelques entreprises et qui sortent très rapidement. Et au fond, qui prennent très rapidement leurs gains. Ça, c'est de la spéculation. C'est de la mauvaise spéculation. Au fond, on peut très bien se dire, en suivant Jean Dartuy, ces gens-là n'ont pas accompagné la croissance d'une entreprise, oui, mais ils ont quand même mis beaucoup d'argent sur des initiatives diverses et variées, en prenant des risques, en perdant parfois, et en gagnant rapidement, peut-être trop rapidement, d'autres fois. Comment est-ce que vous régulez ça ? Comment est-ce que vous allez dire à... Imaginez, voilà, on est en train de réguler ce qui va se passer en Californie dans les années qui viennent, et on dit, voilà, un investisseur n'aura pas le droit de rester moins de 3 ans au capital d'une entreprise. Mais insensé. Et donc voilà typiquement un truc, on est vraiment là dans l'imagination, mais voilà typiquement une règle qui pourrait casser la croissance si elle était trop importante. Et donc, je vous le redis, ce problème de la régulation de la croissance de la finance qui travaille pour elle ou pour l'industrie ou pour l'économie réelle, c'est un réglage permanent. On n'arrivera jamais à trouver le vrai réglage, le bon réglage à toute heure du jour et de la nuit, parce que à la fois ce qu'il faut régler, c'est-à-dire la capacité de mettre de l'argent dans le système, beaucoup ou pas beaucoup en fonction des périodes de croissance, la capacité à corriger la recherche d'un profit maximum dans un temps minimum de temps, change en permanence. Donc oui à la régulation, bien sûr, oui à la régulation, mais attention à ne pas en faire trop. Un des derniers exemples, et je vais très rapidement, après le scandale Enron, qui est un très grand scandale de comptabilité des entreprises, on a édicté des normes de comptabilité et de surveillance d'entreprises qui, pour une partie, en tout cas, aujourd'hui tous les économistes le reconnaissent, ont freiné un certain nombre d'initiatives et de croissance dans l'économie américaine. J'aimerais qu'on puisse prendre des questions de la salle s'il y en a. Monsieur, vous leviez la main tout à l'heure. Attendez, on va vous apporter un micro. Juste avant qu'on vous apporte un micro, peut-être Jean Dartuy, est-ce que vous avez le sentiment, aujourd'hui on dit un peu que c'est finalement les marchés qui dirigent la politique. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est le cas et que ça peut changer si c'est le cas ? C'est quelque chose qu'on entend souvent quand même. Oui, c'est vrai que les marchés aujourd'hui ont pris un pouvoir considérable, mais pourquoi ? Parce qu'ils ont été sollicités de manière déraisonnable par les États. Donc,
C'est la poule et l'œuf. Quand pendant 30 ans, vous sollicitez les marchés pour endetter votre pays à hauteur de 90% de sa création de richesse nationale annuelle, c'est totalement déraisonnable. Aucune entreprise ni aucune famille ne pourrait supporter un tel degré d'endettement. Et moi, je trouve invraisemblable qu'on continue à non seulement endetter lourdement les États, mais en plus accepter que l'État présente encore chaque année des déficits primaires de plus de 100 milliards d'euros. Rendez-vous compte, si une entreprise présentait un budget déficitaire de cette manière-là, aucun conseil d'administration ne l'accepterait. Donc sur un budget de l'État qui, de mémoire, doit être aux alentours de 350 milliards, on présente et les Français acceptent tous les ans qu'il y ait 120 milliards de déficit qui s'ajoutent aux 1 800 milliards de dettes. Le système marche sur la tête. Donc il est normal qu'à un moment donné, les marchés sifflent la fin de la récréation et disent aux États, vous devez cesser d'endetter déraisonnablement le pays. Et quand on sait que chaque Français qui naît a 15 000 euros de dette vis-à-vis de l'État, ce qui fait pour une famille de 5, 100 000 euros, c'est quand même pas le meilleur moyen de démarrer dans la vie. Donc il est normal que les marchés aient repris aujourd'hui du pouvoir par rapport à un État qui est déraisonnable. Et on rappelle que la France n'a pas voté de budget à l'équilibre depuis 1974, sauf erreur de ma part. Monsieur, une question. Oui, une question pour Monsieur Perlevade. Mon nom est Fernand Danan. Je voudrais savoir, quand vous parlez de banques traditionnelles et de banques dites casino, est-ce que les banques françaises et les banques européennes ont quantifié leurs produits dits toxiques ? Parce qu'on n'arrête pas d'entendre, les banques sont en crise, en crise, en crise. Il y a du yo-yo sur les cours de bourse, sur certaines banques. Mais je n'ai trouvé nulle part une quantification des produits toxiques ou dits toxiques dans chacune des banques respectivement. Monsieur Palvade. Je réponds avec prudence, puisque comme je ne suis plus à l'intérieur du système, je ne suis pas sûr de ce qui s'y passe. Mais ma conviction profonde, c'est que cette connaissance n'existe pas aujourd'hui au niveau global, puisque comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne connaît pas l'ensemble des produits dérivés qui sont échangés dans le monde. On n'en connaît pas l'origine, on ne connaît pas les initiateurs. Et deuxième remarque technique aussi, une très large partie de ces produits relève de ce qu'on appelle le hors-bilan, donc ne sont pas dans les bilans des banques. Donc les communications sur le hors-bilan, pour y comprendre quelque chose, à supposer qu'elles existent, je vous garantis qu'il faut se lever de bon matin et y passer des nuits entières. Et troisièmement, si j'étais vraiment très pervers, mais je le suis en la matière, et je parle d'expérience, si j'ose dire, je pense que le président d'une banque universelle qui fait à la fois du métier de base qu'il comprend et de l'activité spéculative, je pense qu'il est hors d'état lui-même de savoir ce qu'il y a dans sa banque. Autre question. Monsieur. Ah, attendez. On ne vous voit pas approcher. Voilà, je vais m'approcher. Je me présente. Je suis donc Elisabeth Violin. Je suis directrice régionale de la Caisse des dépôts, mais en Languedoc-Roussillon, donc je n'avais pas prévu de rencontrer M. Arthuis. Je voulais juste peut-être témoigner, pardon, je tourne. Voilà, la Caisse des dépôts, c'est un groupe public d'intérêt général qui existe depuis 1816. Ah ouais. Moi, je suis à la Caisse depuis plus de 20 ans. Et la bonne finance, ça existe et j'en suis le témoin. Et je, bien sûr, j'ai apprécié ce que vous avez dit parce que, au quotidien, quand nous prenons des décisions d'investissement, ce qui nous anime, c'est à la fois le développement économique du territoire, la création d'emplois et la création de valeur. C'est le sens de l'intervention de Jean d'Arthuis, d'ailleurs. C'est pour ça que je témoigne, parce que c'est la réalité vraie, c'est tous les jours que nous faisons. Que je fais ce travail. Et c'est vrai que la notion de rentabilité et de taux arrive bien après, parce que là aussi, il faut dégager aussi une rentabilité, parce que intérêt général ne veut pas dire aussi perdre de l'argent. Donc nous devons aussi retrouver une rentabilité. Donc la bonne finance existe, nous l'exerçons au quotidien, et depuis 2008,
Les directeurs régionaux sont délégués du FSI. Et donc là aussi, le Fonds stratégique d'investissement a bien compris, et là je rejoins ce que disait M. Perlevade, l'ancrage territorial est particulièrement important parce que même si nous investissons dans des entreprises, même si au-delà des bilans qu'ont deux résultats, nous avons besoin aussi de comprendre la problématique territoriale. Le Fonds stratégique d'investissement l'a immédiatement compris et a bien saisi son implantation territoriale. Donc là aussi, il n'y a pas de hasard. Et quant à Dexia, monsieur, Dexia était un petit service de la Caisse des dépôts il y a quelques années, quand il a démarré. C'est devenu Crédit Local de France. Et quand nous l'avons, quand M. Richard est parti avec Crédit Local de France, c'était une très belle boîte. Et ironie de l'histoire, eh bien, ça nous revient. Voilà. Merci pour votre témoignage, en tout cas. On va passer bientôt à la conclusion, mais peut-être monsieur a une question. Je vous demanderai d'être bref, s'il vous plaît. Oui, je vais très très bref. Je ne suis pas un spécialiste, moi je suis plus dans le domaine artistique, mais à partir du moment où, quoi qu'il arrive, c'est nous qui allons payer à la fin, s'il y a un problème, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir notre mot à dire sur ce à quoi sert l'argent que nous déposons dans les banques ? Est-ce que ça ne permettrait pas de réguler un petit peu aussi la folie qui se passe derrière ? C'est-à-dire, je refuse que l'argent que je dépose parte dans du micro-trading ou dans de la spéculation, etc. Je ne veux que ça ne serve qu'à financer l'économie, ce qu'on appelle réelle. Hugues Lebray, peut-être une réponse en quelques phrases ? Oui, en fait, l'argent que vous déposez ne part pas en spéculation. C'est-à-dire que l'argent que vous déposez, elle est dans la banque, et la banque s'en sert pour replacer ses dépôts, donc, et avec des normes qui sont définies avec le régulateur, et donc elle échéance le replacement de ses dépôts de manière assez sûre, de manière à ce que vous puissiez retirer vos dépôts dès que vous en avez besoin, mais ce n'est pas cet argent-là qui part dans les activités de propre trading ou qui part dans les activités de hedge fund ou qui part dans les activités de spéculation. En revanche, c'est les fonds propres, c'est les fonds propres de la banque plus du leverage du crédit qu'elle fait. En revanche, de manière indirecte, ça sert aussi à faire du crédit à des entreprises. Et donc là, les dépôts permettent à la banque d'améliorer, je dirais, sa main pour financer l'économie. Et en revanche, là où il y a un risque, c'est que si la banque, par ailleurs, dans ses autres activités qui ne seraient pas séparées, spécule et perd beaucoup d'argent, vous pourriez avoir un risque sur vos dépôts si l'État ne le garantissait pas. Donc ce serait, si la banque devenait elle-même insolvable, que vous risqueriez de perdre vos dépôts. Et donc il y a besoin de l'État derrière. Donc en fait, ce n'est pas directement spéculer. Alors en revanche, il y a des projets, mais qui sont très compliqués à mettre en place. Et j'en ai vu, mais qui sont extrêmement compliqués à mettre en place, où ce serait le client qui décide ce qu'on peut faire avec son argent. Et là, ça deviendrait très compliqué. Mais Alors, on a évidemment beaucoup de questions, sauf qu'il nous reste 10 minutes et il y aura quand même un temps de conclusion dans ces 10 minutes. Peut-être, madame, levez la main depuis tout à l'heure. Je vous demanderai des questions, des réponses. Bref. Je suis une néophyte, mais je suis en train de me demander comment se fait-il que mon argent, je ne puisse pas le mettre au FSI. Dans le quartier où j'habite à Marseille, je vois Société Générale, toutes les banques, mais pas ça. Alors moi, j'aurais envie de l'enlever ou de la Société Générale et de le mettre là. Comment se fait-il que je ne puisse pas ? Alors peut-être une réponse. Oui. Je vais prendre votre nom. Non mais alors peut-être que rappeler votre... Jean-Pierre Levade qu'il n'y a pas que des entre guillemets des produits pourris au sein des banques. Par exemple, un livret A et des choses comme ça, c'est des fonds qui sont ensuite dédiés à une application pratique dans l'économie. Bien entendu. Pour répondre à la question précédente, les épargnants, les déposants plus exactement, je ne vois pas très bien sous quelle forme de démocratie directe, massive. Il pourrait déterminer l'orientation de crédit de chacune des banques. Ça, c'est vraiment le rôle du régulateur, c'est-à-dire des pouvoirs publics. Et j'aurais tendance à dire, faites attention pour qui vous votez. Hein, et je ne fais de propagande pour personne. Mais je parle sérieusement. Le problème de la régulation demain du système financier, j'espère que ça sera un des sujets importants de la campagne présidentielle à venir. Deuxièmement, certes, les banques peuvent aujourd'hui, avec les dépôts, financer des choses utiles dans l'économie réelle, et elles le font toutes à des degrés divers. Mais, et je reviens sur mon observation, je suis têtu, mais à Marseille on comprend ça, hein, les gens testards, à Marseille on les aime bien. Donc,
Aujourd'hui, si j'étais banquier de dépôt, rien ne m'interdirait, absolument rien ne m'interdirait de reprêter ces dépôts à un hedge fund, c'est-à-dire à la partie spéculative du système financier. Une dernière question avant qu'on passe à la conclusion. Alors, peut-être madame, voilà, au hasard. Hop, est-ce qu'on peut vous donner un micro rapidement ? Oui, bonjour. Ah, voilà, là, monsieur. Voilà, la crise des subprimes date de 2008. Au début des années 80 aux États-Unis, il y a eu la révolution néolibérale, où il y a eu la répartition de la richesse et de la valeur ajoutée qui était principalement au capital, au détriment du travail. Donc est-ce que la crise des subprimes de 2008 n'est pas la conséquence de cette révolution des années 80, où on a volontairement paupérisé les travailleurs et où la part des salaires a baissé dans les profits des entreprises? Donc vous posez la question de la meilleure répartition des profits? Non, je demande si c'est pas la conséquence de cette révolution, et notamment corollaire également, de façon à maximiser le capital, l'ouverture à la Chine, puisque notamment Walmart importe 90% des produits qui sont vendus aux États-Unis sont importés de Chine. Alors beaucoup de sujets d'un coup. Jean-Pierre Levade, vous voulez répondre rapidement? Juste d'un mot. Là, c'est le macroéconomiste qui parle. Votre explication s'agissant des États-Unis est plausible. Je ne dis pas qu'elle est vraie, je dis qu'elle est plausible. En revanche, en France, j'en profite pour tordre le cou à une idée reçue, en France, il y a une inégalité extrême des revenus qui se développe sur les 1% de revenus les plus élevés, moins qu'aux États-Unis, beaucoup moins qu'aux États-Unis, mais à l'intérieur des entreprises, le partage entre le capital et les salaires est constant depuis à peu près 50 ans. Alors, je suis désolé, madame, il va falloir qu'on passe à la conclusion de ce débat, et on commence par un petit jingle. Voilà, c'est terminé. Conclusion de ce débat, je vous rappelle le thème principal, c'est vrai que c'était comment moraliser la finance. On se rend compte qu'au-delà de la moralisation, il y a peut-être tout simplement la question de l'encadrement, de la régulation de la finance. Je vais vous poser chacun cette question et peut-être une réponse vraiment très rapide en quelques mots. Quelles sont les idées que vous aimeriez défendre? Jean Dartu, justement, eh bien voilà, comment moraliser la finance? Est-ce que vous avez des pistes à donner, des clés? Oui, ben moi je vais reprendre mon thème favori, c'est que je crois que on peut rentrer dans la réflexion de savoir comment imposer des nouvelles règles. Bon, ça fait 30 ans que ça dure. Donc moi, je crois que si on reprend le thème général de la finance, de la morale, de l'utilité, du sens, un enjeu déterminant de mon point de vue pour les 20 ans à venir, c'est de réconcilier la finance et l'intérêt collectif. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et je pense que de ce point de vue-là, on est un peu à la fin d'un cycle d'excès. Et moi, je suis très confiant parce que face à la mondialisation, la rareté des ressources, enfin tous ces grands sujets, hein, le déplacement de la gravité, de la croissance, moi, je suis frappé de voir que les jeunes aujourd'hui, notamment ceux qui veulent travailler dans la finance, veulent donner du sens à ce qu'ils font. Et ça, je crois que c'est un élément tout à fait nouveau. Et qu'ils veulent intégrer dans leur vie professionnelle un système de valeurs. Et que tous ces jeunes pensent qu'il est possible de réconcilier la démarche fondamentale de la finance qui consiste à avoir du rendement pour sa prise de risque de nos investissements, mais au service d'une cause et d'un intérêt général et d'un intérêt collectif. Donc moi, je dirais que c'est ça, de mon point de vue, l'enjeu majeur, c'est redonner du sens et réconcilier la finance avec l'intérêt collectif. Nicolas Bétou, un mot là-dessus? Un mot là-dessus. Écoutez, d'abord un petit rappel. Il y a au 19e siècle un type assez connu qui s'appelait Marx, Karl, son prénom, Karl Marx, qui avait théorisé, et c'était un de ses principaux apports, en tout cas celui-là n'a pas été contesté, qu'il fallait du capital et du travail pour créer de la richesse. Et donc il faut du capital, et ce capital, il est en partie fourni par un système financier qui donne un effet de levier à la richesse telle qu'elle existe. Et donc il faut certainement moraliser la finance. On est sûrement, comme le disait Jean Dartuy, à la fin d'un cycle et à la limite de la tolérance pour un certain nombre d'excès. Mais je pense qu'il ne faut pas, si j'ose dire, jeter le bébé avec l'eau des bains et considérer que tout ce que font les banques et tout l'argent qui est placé dans les banques est par définition amoral ou immoral, pour reprendre le thème du débat. Encore un mot quand même, parce que
Dans cet endroit magnifique, climatisé, bien éclairé, on a un peu tendance à oublier que depuis 30 ans, cette finance et la manière dont elle a été conduite a permis aussi à une partie du monde de se développer plus vite que jamais dans l'histoire. Et on a un peu tendance ici, confortablement installé, à oublier que la moitié de l'humanité rêve de ce qui s'est passé et de ce qui se passe chez nous. Alors, bien sûr, on a ces crises, ces excès, mais n'oubliez pas que depuis 20 ans, la pauvreté a plus reculé dans le monde, en partie grâce à la finance, en partie seulement, mais en partie quand même grâce à la finance, a plus reculé dans le monde que depuis 200 ans. Et donc, en Asie, en Afrique, l'idée d'avoir plus de capitaux que quelque chose de non spéculatif ne le permettrait n'est pas quelque chose qui est fondamentalement choquant pour tous ces gens-là qui vivent dans une misère que aujourd'hui, fort heureusement, nous ne connaissons pas. Donc oui à la moralisation de la finance, mais attention à ne pas oublier un certain nombre de grandes données qui font aussi que le monde se développe grâce à ça. Jean Perlevade, un mot. Je suis complètement d'accord avec Jean d'Arthuis, donc je pense que c'est inutile que je rajoute quoi que ce soit. Bon, Hugues Lebray, peut-être un dernier mot. Non, mais on est tous d'accord. C'est-à-dire qu'il faut toujours se poser la question de la finalité. Il faut toujours regarder à quoi sert et l'utilité de ce que l'on fait. Alors, c'est souvent des vœux pieux. Je pense qu'il y a quand même un énorme travail, et j'ai appelé ça les diligences. Et si on reprend le FSI, je ne sais pas la quantité de travail qu'il y a sur chacun des dossiers avant d'investir, mais vous rencontrez les dirigeants, vous regardez le dossier de manière extrêmement précise à fond. Si on faisait ça sur chacune des décisions de chacune des banques, de chacun des produits, et moi je trouve qu'il y a un immense problème, notamment dans les banques d'investissement, c'est que de temps en temps les gens qu'on appelle du front office, les traders, prennent des décisions avant que les procédures soient complètement validées par l'ensemble des systèmes et bien avant que le régulateur comprenne ce qu'ils sont en train d'être fait. Et donc je trouve qu'il faudrait un petit peu moins de précipitation sur l'ensemble de ces activités spéculatives et donc il faudrait définir des règles qui soient beaucoup plus coercitives pour ces activités de marché. Voilà, avant le générique de fin, une réponse. Oui, non, comme Jean d'Arthuis à plusieurs reprises, avec l'assistance de la salle d'ailleurs, a fait de la publicité pour le FSI, je voudrais en profiter pour faire la publicité pour les Échos. Lisez les Échos. Lisez les Échos si vous voulez comprendre ce qui se passe. Et si vous êtes investisseur et si vous vous demandez quoi faire de votre argent, lisez Investir, le meilleur hebdomadaire boursier. Voilà. L'écran pub est passé. Peut-être qu'on retiendra effectivement de ces échanges, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Notamment, c'est vrai qu'on n'a pas parlé à peine de ce qu'on appelle le trading haute fréquence, qui est tous ces échanges sur les marchés qui sont faits avec des ordinateurs et qui posent la question de la morale, puisque est-ce qu'un ordinateur a une moralité ? C'est une question qu'on pourrait poser en 4 heures. Quoi qu'il en soit, peut-être la question qu'il y a derrière ça, c'est quelle régulation et quelle réponse politique, puisqu'on le voit derrière tout ça, il y a une question de politique. Les subprimes ont été, les subprimes qui étaient à la base de la crise de 2008, on le voit, eh bien, ils n'étaient pas hors la loi. Donc le politique a un rôle, avec aussi effectivement la question de savoir est-ce qu'à la fin c'est toujours l'épargnant et le contribuable qui doit payer. Ça, ce sont vraiment des questions fondamentales. Alors évidemment, on n'est pas là pour faire de la politique, pour appeler à voter pour qui que ce soit, mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et Je me retiens. Derrière la régulation, il y a certainement du courage politique de quelques camps qui viennent. Merci beaucoup d'avoir suivi ce débat des Rencontres Capitales. La question, c'est que faudrait-il pour que l'humanité modifie ses habitudes ?
créer, c'est résister. Résister, c'est créer. J'ai conspiré pour le bonheur et la justice. Yes, we can. This is just another lost cause, Mr. Payne. I have a dream. C'est l'amour, la force qui nous rend pleinement humains.